Tu m'as manqué, mec. Et salut, c'est Max, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Marvel Spider-Man Miles Morales. Et aujourd'hui, nous continuons notre let's play. Allez, Jared, ouvrez les lignes. Je peux entendre ceux qui sont d'accord avec moi. Jared, je vous ai dit d'ouvrir les lignes. Elles sont déjà ouvertes. Ah bah y'a un problème alors. Désolé chers auditeurs, nous avons un souci technique. Attention, ils ont appelé des renforts. Spider-Man. Y a plus rien. Vous pouvez ouvrir la porte. Merci, Spider-Man. Mais tu devrais y aller, sinon la police va te cuisiner. Toute la nuit. Une course-poursuite. Je dois faire vite avant qu'il y ait un accident. Voilà, c'est parti. Yeah. Ils conduisent n'importe comment. Ils vont rentrer dans un mur. Ou pire, dans quelqu'un. Je dois les arrêter. Salut. Wouhou, yeah. Tiens, bon,
lingots planqués dans le coffre ou quoi? Occupe pas de tes oignons, sale mordée! Va mourir, minable! Bah c'est bien. Je suis content. Bah écoute. Voilà, ça c'est fait. À la récré. Et voilà. Non, franchement, c'est bien, les amis. On avance très très bien dans Marvel Spider-Man, Miles Morales. Je pars avant que tu fasses un truc bizarre. Comment s'est passé ton Noël, mon pote? Wow, vous êtes le vrai? Ça, c'est des vacances réussies. Ok, faut que j'y aille, sinon je vais faire un malaise. Mate un peu le costume. Miles, j'ai réussi. J'ai trouvé comment faire. Comment fissionner un atome sans bouger de chez toi? Je m'occupe de tout ça au plus vite. Mais non, Speed Nodagon. J'ai mis à jour le modèle de collision, corrigé la physique des projectiles et stabilisé la cadence d'affichage. Ça déchire! Ça veut dire que je peux y jouer? Mais il manque encore les textures, les effets spéciaux, la musique et les voix. Je peux m'occuper de la musique et peut-être même des effets sonores. D'abord, on améliore notre speeder costume et maintenant on monte un empire du jeu mobile. Mais plus rien ne nous arrête! J'en ai jamais douté. Je finis quelques trucs pour le boulot, mais dès que je rentre, je prépare un tableau de suivi et je fais la liste des effets sonores dont t'auras besoin. Ah, je planche aussi sur une BO. Yeah! Tu l'as senti celui-là? C'est moi qui te fais un check à distance! A plus, mon pote! Salut, Miles! Ce défi va te permettre de t'entraîner au lancement. Passe tous les points de contrôle avant la fin du temps. Approche-toi du point de départ pour commencer. Tu vas y arriver. Oh, je suis à fond motivé. C'est parti. Ok, on va réessayer, on a fini. Donc c'était vraiment...
Franchement, les. Franchement, comme petit défi, ça a l'air pas mal. Je suis content, ça. C'est pas pour me vanter, mais de mon temps, j'accrochais des cerceaux sur la ligne aérienne de Clinton Street pour affûter mes compétences. MJ me chronométrait avec une montre qui marchait une fois sur quatre. Il pleuvait souvent les cordes, des fois il neigeait même, hein. Et en plus, la rue montait dans les deux sens. Bon, et j'ai compris ce que c'est. Enfin, ouais. Profite bien du système tactile holographique du suivi latinien de Dan. Quand MJ reviendra, il faudra qu'elle me confirme toutes ces histoires. Attends, je vais voir un petit peu, je vais voir si j'ai réussi. Oui, il y a un petit truc, il y a un truc qui est réussi. Ouais, incroyable, ultime. Donc ça fait déjà... C'est déjà pas mal. Ah, Yaïs. Franchement, c'est déjà pas mal. Je sais pas il y a combien de défis de Peter. Mais... Attends, ici... On devrait... Ok. Voilà. Oh, Spider-Man. Ce défi va te permettre de pratiquer toutes les formes de déplacement. Approche-toi du point de départ et on pourra commencer. Souple et rapide, allez! Wow. Essayons la course murale maintenant. La course murale te permet de continuer sur ta lancée sans ralentir. J'adore courir sur les murs. C'est trop bien. Allez, allez, j'y suis presque. Spectaculaire. Ouais. J'ai... Ok, c'est bon. Voilà. Parfois, il faut s'avancer en fait. Parfois, s'avancer. Génial. Y'a rien mieux que de se balancer au bout d'une toile. Importe peut-être courir le long d'un bâtiment en défiant les lois de la gravité. Ça aussi. Ouais, Je gère. Ah, oh, le balancement, ça va trop vite. Oh.
continuer sur ta lancée sans ralentir. J'adore courir sur les murs. C'est trop bien. Allez, allez, j'y suis presque. Incroyable, incroyable. Non, là, j'ai pas réussi. Ok, mais il y a encore des choses à faire. Eh, il y en a là, il y en a là. Franchement, c'est bien, on avance très très bien. Franchement, les défis, faut que je recommence plusieurs fois, mais... J'espère que ce logo avec les yeux comme ça là, je pense, j'espère qu'il n'y en aura plus hein, parce que ça m'énerve ces trucs là mais... En gros, il nous explique réellement les qu'on a déjà fait avec Peter, etc. Et là, on explique à Miles, etc. C'est chouette qu'on explique à Miles, etc. Mais vu qu'on a déjà appris avec Peter, etc. Au moment, donc. Tu parviens à éloigner les cartes de la bombe, tu pourras la
ces bombes sont pas réelles. Ouais, mais si c'était réel, Miles n'aurait pas une troisième chance. Essaie d'éloigner les gardes, et ensuite, faufile-toi pour désamorcer les bombes. Je dois les éloigner de la bombe. Super, d'élimination. Belle élimination, très stratégique. Je me demande ce que pensent les gens quand ils me voient faire ces défis. Tiens, c'est encore Spider-Man qui attaque des hologrammes. Il m'a l'air parfaitement équilibré. Recherche de la cible. Perturbation potentielle. Début des recherches. Alerte. Polymérabilité détectée. C'est bien, mec. Ah, c'était facile.
Alerte. Routine de recherche. Quand il dort. On s'est avancé. Joli, continue. Nouvelle victoire pour Spider-Man. Mais non, Sanvounin, quand j'ai dit Sanvounin, Sanvounin. En plus c'était bien quoi, en plus j'avais fait éliminer ces autres là quoi. Heureusement que ces bombes sont pas réelles. Réacquisition du juif.
de la sieste. En fait, c'était facile. Recherche de la cible. Activation auditive détectée. C'est l'heure de la pause. Battery low. Charging battery. Je dois m'assurer que toutes les bombes sont désamorcées. Dématérialisation initiée. Séquence de patrouille engagée. Ça craint plus rien. Bien joué. Mais il y en a d'autres. Je sais que c'est des fausses bombes. Mais c'est quand même hyper stressant. Mes éliminations. Bonne expression. Faudra que je l'utilise plus. Yo, j'ai lu l'article de MJ sur la Sim Carrie. Pas en se balançant, j'espère. Désolé, j'étais en mode professeur grincheux. Je me détends. Qu'est-ce que t'as pensé de l'article? L'article était super. Par contre, les photos, ils l'ont déniché où, ce Peter Parker? MJ doit se demander la même chose. Parle-moi de ton séjour.
Est-ce que t'as dû ressortir ton costume là-bas? Non. Sable et son wild pack ont fait du super boulot. Je me suis contenté d'observer et de prendre des photos. Sympa les vacances. Même si ça restait un déplacement professionnel. Ouais, je suis en pleine forme et prêt à renfiler mon costume de Spidey. Et aussi à nettoyer les gouttières de ma maison. C'est passionnant d'être proprio. Tu verras un jour. Ça fait envie. Je te laisse alors. À bientôt. Est-ce que j'ai déjà pris du plaisir à désamorcer une bombe? Question aussi intéressante que spécifique, ma foi. Mais oui, allez, arrête. Scorpion en a posé dans la salle de rédaction de Google quand j'étais au lycée. Et ce jour-là, j'ai eu l'impression d'être chef d'orchestre pour une symphonie miniature. Oh. Des fils rouges reliés au fil vert, reliés au fil bleu. Oh. Ah, c'était quelque chose. Et j'ai sauvé tout le monde. Scorpion a été arrêté. Voilà, cette bombe m'a rendu pour une semaine. C'était une vraie œuvre d'art. Terrible, maléfique, destructrice, mais belle. Scorpion, cinglé de première et poète des explosifs. Est-ce que j'aurai plein d'histoires comme Pete dans quelques années? J'espère. Le contact visuel a été alerte positive. Relevé anormal détecté. Début des recherches. Alerte. Ennemi potentiel à proximité. La cible s'est retirée. Cette anomalie détectée. Début des recherches. Perturbation auditive détectée. Protocole de recherche. La délimination. Très stratégique. Je me demande ce que pensent les gens quand ils me voient faire ça. Encore Spider-Man qui attaque des hologrammes. Il m'a l'air parfaitement équilibré. Est-ce que j'ai déjà pris du plaisir à désamorcer une bombe? Question aussi intéressante que spécifique, ma foi. Mais oui, ça m'est arrivé. Scorpion en a posé une dans la salle de rédaction de Google quand j'étais au lycée. Et ce jour-là, j'ai eu l'impression de toucher pour une symphonie miniature. Oh. Fil rouge relié au fil vert, relié au fil bleu. Oh. Ah, c'était quelque chose. J'ai sauvé tout le monde. Scorpion a été arrêté. Et voilà, cette bombe m'a hanté pendant des semaines. C'était une vraie œuvre d'art. Terrible, maléfique, destructrice, mais belle. Scorpion, cinglé de première et poète des explosifs. Est-ce que j'aurai plein d'histoires comme Pete dans quelques années? J'espère. De la sieste. Statut alerte. Bien joué. Mais il y en a d'autres. Je sais que c'est des fausses bombes. Mais c'est quand même hyper stressant. Lancement. Dématérialisation.
Relevé anormal détecté. Il reste encore des bombes à désamorcer. Trop rapide. Je crois même que t'as battu mon record. Bah voilà. Alors ça c'est fait, donc ici il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, là ils mettent, ah ici ils mettaient, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, là il y en a un, ça on l'a fait, malheureusement à mon avis ici on doit le faire. Et à mon avis, ça doit être aussi pour l'entraînement de Peter, etc. Non, franchement, c'est bien. Hein, les amis. Franchement, on est en train de faire énormément les défis de Peter parce que c'est... Voilà, c'est pas beaucoup intéressant, mais au moins, on est en train de faire et puis, bah, ça nous fait... Hop. Tu peux te rendre invisible? Un message vocal. Un numéro masqué. Hey Miles. Je sais que tu vas entendre plein de choses sur moi. Et sur ce que j'ai pu faire. Maintenant que je suis incarcéré. J'ai obtenu un deal. Donc je devrais à nouveau être libre dans 2 ans. Mais si j'ai balancé Krieger, c'est pas juste pour réduire ma peine. Tu m'as dit vouloir être quelqu'un de meilleur. Notamment en prenant soin des autres, même à tes dépens. Tout ça est encore tout nouveau pour moi, mais je fais des efforts. Merci, petit. Merci de me permettre d'être un homme meilleur que celui que j'aurais jamais pu être. Prends bien soin de toi, surtout. Tu vas me manquer. Ok, ça, c'est le défi ultime. Dans ce défi, tous les points de contrôle sont actifs en même temps. Peut-être qu'il y a 3 défis de les mêmes chacun. Et à mon avis, après, sera certainement fini pour ça. Les balancements. Je sais pas. Se lancer avec une marge de manœuvre proche de zéro. Facile, je peux y arriver. C'est bon, bien, mec. T'arrêtes pas. Je dois me fier à mon instinct. Repère les prochains points de contrôle. Faut calculer ta trajectoire au fur et à mesure. Ce défi m'oblige vraiment à réfléchir dans l'instant. Il serait clairement un super prof. J'avais jamais vu Central Park sous cet angle. C'est vraiment chouette. C'est quoi cette odeur? Des amandes grillées? Oh, je devrais m'arrêter pour en prendre. Non, concentre-toi, Miles. Allez. Vitesse, spectaculaire. Tout le reste, spectaculaire. Ok, je comprends un petit peu. On va le faire réellement... Au moins, j'ai vu un petit peu le parcours et on peut le faire. Tu dois passer tous les points de contrôle. Non, attends, il suffit de planifier et de se lancer. Avec une marge de manœuvre proche de zéro. Facile, je peux y arriver. C'est bon, bien, t'arrêtes pas. Je dois me fier à mon instinct.
trajectoire au fur et à mesure. Ce défi m'oblige vraiment à réfléchir dans l'instant. Peter est clairement un super prof. C'est prêt, Smiles ? Lâche rien ! J'avais jamais vu Central Park sous cet angle. C'est vraiment chouette. C'est quoi cette odeur ? Des amandes grillées ? Oh, je devrais m'arrêter pour en prendre. Non, concentre-toi, Miles. Allez ! Avec une marge de manœuvre proche de zéro. Facile, il faut y arriver. C'est bon, tiens, Max, t'arrêtes pas. Je dois me fier à mon instinct. Enferme les prochains points de contrôle. Tu peux calculer ta trajectoire au fur et à mesure. Ce défi m'oblige vraiment à réfléchir dans l'instant. Clairement un super prof. C'est prêt, Smiles ? Lâche rien ! J'avais jamais vu Central Park sous cet angle ! C'est vraiment chouette ! C'est quoi cette odeur ? Des amandes grillées ? Oh, je devrais m'arrêter pour en prendre. Non, concentre-toi, Miles. Allez ! Se lancer. Avec une marge de manœuvre proche de zéro. Facile, je peux y arriver. C'est bon, bien, Max, t'arrêtes pas. Je dois me fier à mon instinct. Génial. Enferme les prochains points de contrôle. Je vais calculer ta trajectoire au fur et à mesure. Ce défi m'oblige vraiment à réfléchir dans l'instant. Peter est clairement un super prof. C'est prêt, Smiles ? Lâche rien ! J'avais jamais vu Central Park sous cet angle ! C'est vraiment chouette ! C'est quoi cette odeur ? Des amandes grillées ? Oh, je devrais m'arrêter pour en prendre. Non, concentre-toi, Miles. Allez. Non, c'est pas réussi, c'est pas réussi. J'ai déjà réussi. J'ai déjà réussi réellement les deux autres, mais il me faut le troisième. L'ultime. Se lancer. Avec une marge de manœuvre proche de zéro. Facile, je peux y arriver. C'est bon, bien, Max, t'arrêtes pas. Je dois me fier à mon instinct. Enferme les prochains points de contrôle. Je vais calculer ta trajectoire au fur et à mesure. Ce défi m'oblige vraiment à réfléchir dans l'instant.
Peter est clairement un super prof. J'avais jamais vu Central Park sous cet angle. C'est vraiment chouette. C'est quoi cette odeur? Des amandes grillées? Je devrais m'arrêter pour en prendre. Ça, c'était une non. performance. Concentre-toi, Miles. Allez. Je devrais peut-être corser la difficulté la prochaine fois. Défi, forge ton propre destin. Terminé. Un petit conseil. Inverse le canon pour l'instant. Fais-moi confiance. Ça te donnera la force suffisante pour repartir en plein vol. Ça m'a déjà sauvé la vie. Alors, bon. Donc, il reste juste ça à faire. Je vais me mettre réellement comme ça pour dans le prochain. Voilà. J'ai le plaisir d'accueillir pour cette émission spéciale Rio Morales. Vient d'être élue conseillère municipale à Harlem et qui a largement contribué à freiner l'expansion des projets de Roxon. Rappelons qu'il a été révélé que Roxon avait mis en danger la... Voilà, il m'énerve Jonah Jameson. Je pense que je vais essayer de l'enlever, celui-là, je sais pas. Parce qu'il m'énerve. Mais en tout cas, voilà les amis, j'espère quand même que cet épisode vous aura plu sur Marvel Spider-Man Miles Morales. En tout cas, moi je vous donne rendez-vous très très bientôt. Pour la suite des niveaux, je sais pas. Avec leur source d'énergie instable, on est à combien? Bienvenue, madame la conseillère. Merci de me recevoir, monsieur Jameson. Je dois dire que j'ai été surprise que vous contactiez mon bureau. Jared, mon producteur, a insisté pour qu'on vous invite. Nous devons élargir notre public, apparemment. Surtout après votre récent passage dans une autre émission beaucoup moins populaire. Oh oui, Danica Hart a été adorable. Mes auditeurs aimeraient savoir ce que vous comptez mettre en œuvre pour que votre communauté... Voilà. En tout cas, les amis, j'espère quand même que cet épisode vous aura plu. Moi, je vous donne rendez-vous très très bientôt pour un tout nouvel épisode sur Marvel Spider-Man Miles Morales. Toujours dans l'émission annexe et secondaire. En tout cas, on a déjà pas mal bien... On a vraiment super bien fait. En tout cas, moi, je vous donne rendez-vous très très bientôt. C'était Max, portez-vous bien. Si ce contenu vous plaît, bah, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous n'arrêterez rien d'autre de Marvel Spider-Man Miles Morales, ou du Lego Star Wars La Saga Skywalker, ou des prochains let's play qui vont arriver comme prochain futur, etc. comme future vidéo dans l'univers de FNAF, et donc de FNAF, donc Five Nights at Freddy's pour expliquer, hein, pour certains, mais FNAF, l'univers de Granny. Un petit peu du Disney Speedstorm. Poppy Project Playtime, je pense. Poppy Playtime chapitre 2, etc. Vraiment, il y aura énormément de choses qu'on fera très prochainement, plus tard. Mais voilà. Et n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu vers le haut si cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à très bientôt. C'était Max et ciao tout le monde. Tu m'as manqué, mec!